Bonjour à tous, frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de télévision Réveil TV. C'est votre émission, Le Retour à la Parole. Donc nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce, le privilège qu'il nous accorde d'être en vie, d'être en bonne santé. Nous voulons simplement profiter de la grâce, de l'opportunité qu'il nous accorde pour nous encourager, pour nous édifier, sans supériorité de langage, avec des cœurs humbles, des cœurs simples. Nous voulons simplement nous édifier comme la parole d'Elohim nous le recommande. Nous allons sans plus tarder recommander les temps au Seigneur et partager ensemble ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Merci Yeshua pour cette émission. Merci pour cette chaîne de télévision. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui nous reçoivent chez elles. Merci pour nos vies. Garde-nous dans la crainte de ton nom, purifie nos cœurs. Dispose encore nos cœurs, Seigneur Yeshua, à recevoir ta parole. Ôte encore les écailles et le voile de nos yeux. Au nom de Yeshua, Amen. Donc, comme on le disait tantôt, frères et sœurs, nous voulons encore profiter de ce temps que le Seigneur nous accorde pour nous édifier, pour nous encourager. Il y a plusieurs vendredis de cela, nous avons commencé avec la thématique liée à la fin des temps. Donc nous avons vu les trois horloges prophétiques, on a parlé de l'Église, on a parlé d'Israël, on a parlé des nations. Et après les trois horloges prophétiques, on a commencé avec des événements proprement dits. Donc on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, on avait parlé des noces de l'agneau, on a parlé du tribunal du Mashiach pour recevoir des couronnes. Après tout cela, on a parlé de la grande tribulation. Après la grande tribulation, on a parlé du retour physique du Mashiach, on a parlé de la bataille d'Armageddon, on a parlé du jugement des nations, on a parlé du jugement d'Israël qui était lié à sa repentance, à sa conversion. Et on a aussi vu le jugement de la bête et du faux prophète. On avait aussi vu Satan qui avait été lié pour 1000 ans. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre avec le thème sur le règne de 1000 ans ou le règne millénaire ou encore le millénium. C'est un thème qu'on n'aborde pas souvent, mais qui est beaucoup riche et qui fait partie de notre héritage, de notre patrimoine, de notre vie future et de notre vie à venir. Donc je crois par la grâce du Seigneur que par ce thème, il va encore nous édifier, il va encore nous encourager. Donc sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans Apocalypse le chapitre 20 à partir du verset 2. Apocalypse le chapitre 20, on lira à partir du verset 2. Dans le thème de ce soir, c'est le règne millénaire ou le règne de 1000 ans ou encore le millénium. Donc on verra qu'est-ce que c'est et comment cela va-t-il se dérouler. Apocalypse chapitre 20, on va lire à partir du verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Verset 3. Et il le jeta dans l'abîme, et il l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoin de Yeshua et à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains, autant pour moi, vécurent. En effet, ils régnèrent avec Machia 1000 ans. Donc, ici, on parle du règne de Machia pour 1000 ans. Verset 5. Mais les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas d'autorité sur eux. Mais ils seront prêtres d'Élohim et du Mashiach. Ils régneront avec lui 1000 ans.
Donc ici, on dit, ils régneront avec lui 1000 ans. Donc le thème, c'est le règne de 1000 ans. Verset 7. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Les frères, si vous pouvez remonter au verset 6, s'il vous plaît. Donc la fin du verset dit, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Merci les frères de la régie, vous pouvez enlever le passage. Donc ici, l'apôtre Jean nous apprend qu'il y a un règne de 1000 ans qui attend tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Yeshua. Donc il dit qu'ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc tout au long de cet enseignement par la grâce du Seigneur, on verra comment ce règne va-t-il s'établir, où va-t-il s'établir et comment va-t-il s'établir. Donc on apprend déjà ici qu'après tous les événements qu'on a vus précédemment, on avait aussi parlé de la seconde phase de la première résurrection qui est la résurrection de tous les croyants de l'ancienne alliance. Donc ici, on va entamer avec le règne de 1000 ans. Donc Yohanan nous apprend ici qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des personnes qui régneront avec le Mashiach pendant 1000 ans. C'est quoi concrètement le règne de 1000 ans? Parce que malheureusement, dans nos assemblées, on nous enseigne à nous attacher à la poussière, à la fumée, à la vanité, comme si en fait la vie sur la terre s'arrêtait à la vie qu'on vit, à la vie présente, à la vie actuelle. C'est comme si en dehors de cette vie dans laquelle nous sommes, il n'existe plus d'autre vie. Mais si on apprend, n'est-ce pas, frères et sœurs, que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur régneront avec lui pendant 1000 ans. Excusez-moi, c'est vraiment magnifique. Alors, on va sans plus tarder prendre un autre passage dans Genèse, chapitre 49, on lira à partir du verset 9. Donc, on apprend qu'il y a un règne de 1000 ans qui nous attend, frère. On est dans Genèse, le chapitre 49, on lira à partir du verset 9. Alors, c'est quoi le règne de 1000 ans? Genèse 49, on lit à partir du verset 9. Yehuda est un jeune lion. Tu es monté de près de la proie, mon fils. Il s'est agenouillé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Yehuda. Ni le bâton de législateur dans ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Alors, la définition du sceptre, le sceptre nous parle de l'autorité souveraine, le sceptre nous parle de la royauté, le sceptre nous parle du bâton de commandement, de la puissance et de l'autorité. Donc, le sceptre nous parle de la royauté. On peut enlever le passage un instant. Donc, le sceptre nous parle de la royauté, du bâton de commandement, nous parle, n'est-ce pas, de l'autorité, de la puissance. Et le sceptre nous parle aussi de l'autorité. Donc on apprend ici que le sceptre, donc le bâton de commandement, le bâton de la gouvernance, on apprend que l'autorité, que la puissance, que la royauté n'allait pas s'éloigner de Yehuda ou de Juda. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? On doit comprendre le fait que Yeshua est issu de la tribu de Yehuda. On apprend ici que le bâton de commandement, l'autorité et la puissance n'allaient pas s'éloigner de cette tribu. Parce que justement, Yeshua est présenté comme étant le roi, comme étant le lion de la tribu de Yehuda. Yeshua est présenté comme étant le lion parce que le lion, n'est-ce pas, marque la royauté, le lion marque la puissance et l'autorité. Donc, il est présenté comme le lion de la tribu de Yehuda. Parce que justement, c'est la prophétie que Jacob, donc Jacob a eu, n'est-ce pas, avant sa mort, il dit que le sceptre et le bâton du législateur ne devaient pas s'éloigner de Yehuda. Que comprendre? On comprend premièrement que notre Seigneur Yeshua est issu de la tribu de Yehuda. Et on apprend aussi deuxièmement que le règne de 1000 ans qui s'établira au niveau d'Israël sera manifeste au niveau de la tribu de Yehuda, de Juda. Donc c'est un peu comme aujourd'hui, on a le pays, le Gabon, notre pays par exemple, qui a 9 provinces, mais on sait que la capitale politique, c'est l'Est-Tuer, donc Libreville.
Et on sait que la présidence et les principales institutions de la République sont au niveau de l'Estuaire, donc de Libreville. Ce sera la même chose lors du règne de Milan. Le règne de Milan nous parle de la restauration du royaume d'Israël dans son entièreté, autant pour moi. Mais le siège de la gouvernance, le trône du Yeshua, sera bien sûr à Yehuda, dans la tribu de Juda, au niveau de Jérusalem. C'est pourquoi ici, Jacob qui était un prophète, avait déjà vu cela. Il avait dit à son fils Judas que le sceptre du commandement, le sceptre, le bâton de commandement, l'autorité, la puissance, la royauté, la gouvernance ne devait pas s'éloigner de cette tribu. On a pu le voir avec David, avec Salomon. Mais bien sûr, il s'agissait ici d'abord de Yeshua, qui est issu de la tribu de Judas. Donc le règne de Milan, ce sera un règne qui sera établi en Israël, sur toute la terre d'Israël, mais dont le siège, dont le gouvernement sera établi à Yehuda, à Jérusalem. Parce que la tribu c'était Juda ou Yehuda, et la capitale fait Jérusalem ou Yerushalem. On peut remettre le pain sur l'écran, s'il vous plaît, frères et sœurs. Le sceptre, verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, de Yehuda, ni le bâton de législateur dans ses pieds. Et justement, il a dit qu'il faisait du ciel son trône et de la terre le marche de ses pieds. Donc jusqu'à ce que le Chien vienne et que les peuples lui obéissent. Donc, on apprend ici que tant que les peuples n'obéiront pas au Yeshua, tant que le Chien ne serait pas venu, n'est-ce pas, on peut lever le parrain s'il vous plaît. Donc on apprend deux réalités ici. Que le bâton du commandement, le sceptre, n'allait pas s'éloigner de Juda jusqu'à deux événements. Premièrement, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le Shiloh, c'est l'image c'était le Seigneur Yeshua. Jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. Mais actuellement, on sait que les peuples n'obéissent pas au Mashiach. Les peuples sont gouvernés par Satan. Les peuples sont sous l'ère du règne de l'homme impie, de l'anti-Mashiach. Est-ce que les frères peuvent remettre le partage un instant? Et ils vont cliquer sur Shiloh, le petit choix, sur le petit choix là, Shiloh. Donc, Shiloh nous parle du Pacifique ou du repos. On peut l'enlever, le passage. Donc, Shiloh nous parle du Pacifique, mais Shiloh aussi nous parle du repos. Et justement, c'est la première venue du Seigneur. Il est venu en tant que pacificateur. Il est venu restaurer la paix. Et il est aussi venu apporter le repos. Il a notamment dit dans Matthieu 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le Shabbat. » Donc on apprend que le Shiloh est venu déjà. Il est venu apporter la paix, nous réconcilier avec lui-même. Il est aussi venu nous apporter le repos en lui. Mais on apprend que le bâton ne devait pas s'éloigner de Juda, de Yehuda, jusqu'à ce que le Shiloh arrive et que les peuples lui obéissent. Mais on sait qu'actuellement, les peuples n'obéissent pas au Shiloh, à Yeshua. Les peuples sont dans la désobéissance, dans la dérive. À partir de quel moment les peuples obéiront au Seigneur Yeshua? Les peuples de la terre, sans exception, obéiront au Seigneur Yeshua lorsqu'il reviendra établir son règne de 1000 ans. Donc on apprend que le bâton de commandement, n'est-ce pas, ne se réunira pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est après les 1000 ans que le bâton de commandement pourra s'éloigner de la tribu de Yehuda. Parce qu'après, on rentrera dans l'ère de l'éternité, la nouvelle Jérusalem qu'on verra la semaine prochaine si le Seigneur permet. Donc pour ceux qui nous suivent, c'est quoi le règne de 1000 ans? Le règne de 1000 ans nous parle de la restauration du royaume d'Israël. Le règne de 1000 ans nous parle, n'est-ce pas, de la restauration du règne du Mashiach sur terre. Parce qu'en ce moment, le règne ne règne pas sur la terre. C'est Satan qui règne. 1 Jean 5, à partir du verset 19, est clair que le monde entier est sur la puissance du malin. Donc on sait qu'actuellement, le monde est géré par les ténèbres. Mais on apprend ici que la consolation arrive pour les peuples, pour les enfants d'Elohim. La consolation arrive pour les Juifs. Et
lorsqu'on lit par exemple, Genèse chapitre 12, la promesse que Yeshua ou que Yahweh fait à Abraham, il dit que toutes les nations de la terre devaient être bénies en Abraham. Mais est-ce actuellement le vit pleinement? Non. Pourquoi? Parce que le peuple juif a désobéi, il s'est éloigné du Seigneur. Mais cette parole aura bel et bien son accomplissement lors du règne de 1000 ans. Parce que justement, toutes les nations de la terre à ce moment seront bénies par la descendance physique d'Abraham, par les Juifs, par les Israélites. Parce que nous irons tous adorer à Jérusalem une fois par année. Donc le règne de 1000 ans nous parle de la restauration du royaume d'Israël sur la terre. Et ce règne de 1000 ans est réservé à qui? Mais ce règne est réservé à l'Église. Ce règne est réservé à tous les Juifs, à tout le peuple israélite. C'est à ce moment que le Seigneur nous permettra d'expérimenter la gouvernance et la gestion de la terre présente. Parce que pour votre information, le règne de 1000 ans n'aura pas lieu au ciel. Le règne de 1000 ans n'aura pas lieu au paradis. Le règne de 1000 ans aura lieu sur cette terre. Donc nous serons sur la terre durant 1000 ans et nous régnerons avec le Seigneur Yeshua. On va le voir tout au long de l'enseignement, qu'il y a beaucoup de choses qui nous y attendent. C'est pourquoi, frère, l'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à ne pas nous attacher à la poussière, à la fumée, à la vanité. Parce qu'actuellement, par exemple, il est difficile, peut-être possible, mais il est très très difficile pour des chrétiens d'être président de la République, d'être roi, d'occuper des postes les plus élevés sur la terre. Mais je veux vous rassurer ce soir que lors du règne de 1000 ans, ces postes seront occupés uniquement par les chrétiens, par les disciples du Seigneur Yeshua. On aura des présidents de la République, on aura des gouverneurs, des maires, des sénateurs, des rois. Ce sera l'Église en ce temps qui aura la gouvernance et la gestion de la terre. C'est puissant, ce qui nous attend, frère. C'est pourquoi ne nous précipitons pas. Ne cherchons pas une gloire éphémère, parce que la gloire actuelle, elle est éphémère. Le président qui a le plus mis du temps sur la terre, il a fait combien de temps au pouvoir? Peut-être 50 ans. Maximum, c'est 50 ans. Parce que tous les hommes actuellement sont mortels. Mais nous, lors du règne de 1000 ans, nous serons immortels. Ce sera un règne de 1000 ans, frère. 1000 ans. Nous serons immortels et nous ne connaîtrons plus la vieillesse parce que nos corps auront revêtu l'incorruptibilité. On ne sera plus touché par la maladie actuellement. Comme actuellement, par exemple, on a des chefs d'État qui meurent ici de maladies, de crises cardiaques, tout ce que vous voulez. Malgré qu'ils sont chefs d'État, qu'ils sont rois, qu'ils ont beaucoup d'argent, ils font quand même frapper par la mort, par la maladie. Mais nous, lors du règne de 1000 ans, frères et sœurs, nous ne connaîtrons plus la mort, nous ne connaîtrons plus la maladie, nous ne connaîtrons plus tout ce que les hommes connaissent actuellement. C'est pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur Yeshua. Parce que c'est une espérance vivante. C'est une espérance véritable au règne de 1000 ans. On va prendre un autre passage aussi, dans 2 Samuel 7, à partir du verset 16. 2 Samuel 7, on lira à partir du verset 16. Donc, c'est le fils du Seigneur, n'est-ce pas, qui avait promis au roi David que le bâton de commandement, n'est-ce pas, que son nom devait rester à toujours sur le trône. 2 Samuel, on va lire du chapitre 7, à partir du verset 16. Donc, ici, c'est le Seigneur Yeshua, c'est Yahweh qui parle à David. Il dit ainsi, ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant toi, et ton trône sera pour toujours affermi. Donc je vais le relire. Ainsi ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant toi, et ton trône sera pour toujours affermi. On peut enlever le passage. Donc ici on fait une promesse à David que son règne devait être affermi à toujours. Mais par qui? Par le canal de Yeshua. Car on le sait tous, Yeshua est issu aussi de David. Donc ici on apprend que le trône, le règne, la gouvernance de David devait être assuré, devait être affermi
pour toujours. Mais par quel moyen, par quel canal? Par le canal de Yeshua. Mais actuellement, on peut le voir que ce règne n'est pas physique, n'est pas palpable. Actuellement, Israël physique vit les difficultés. Donc on comprend ici que cette prophétie nous parlait du règne de 1000 ans. Parce que ce règne, n'est-ce pas, nous parle premièrement du règne sur le plan spirituel. Oui, qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable, mais nous parle aussi du règne de 1000 ans. Parce que ce règne sera affermi pour toujours. Après ce règne, on ne connaîtra plus aucun autre règne. On ne connaîtra plus le règne du péché. On ne connaîtra plus le règne de la mort. On ne connaîtra plus le règne de la famine, de fléaux, de catastrophes naturelles. On connaîtra une gloire, mais une gloire terrible et totale. Donc, en introduction, le règne de 1000 ans nous parle de la restauration du royaume d'Israël. Ne méprisons pas ce pays. Ne méprisons pas cette nation parce que c'est la nation prophétique du Machia. C'est la nation par laquelle le sauveur de l'humanité est venu au monde. C'est la nation que le Créateur a choisie. Nous devons aimer cette nation et nous devons prier pour Israël. Et en aucun cas l'Église ne peut la remplacer. Parce que justement, l'Église, les chrétiens des nations, ont obtenu le salut parce que Israël a été mis de côté pour un temps. Dans le règne de 1000 ans, Israël va être restauré dans son règne. Toute la nation, toutes les tribus seront reconstituées bien comme il faut. Et la gouvernance, le siège sera à Jérusalem. C'est à Jérusalem que le trône de Yeshua va être établi. Et à côté de lui, il y aura 12 trônes. Les 12 trônes des disciples, des apôtres de l'agneau. On va prendre un autre passage dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 20. Donc le thème de ce soir, si des plans nous prennent à peine faire le règne de 1000 ans. C'est quoi le règne de 1000 ans? Il fait qu'on est en train de développer. Donc Matthieu chapitre 1, on va lire à partir du verset 20. Matthieu chapitre 1, on lira à partir du verset 20. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de David. Donc on apprend ici que Yosef était issu de la tribu, était issu de David aussi. Donc Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yeshua, de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On peut enlever le passage. Donc on apprend ici que Myriam devait mettre au monde un fils qui devait sauver son peuple de ses péchés. Mais malheureusement, cette partie, les Israélites, les Juifs ne l'ont pas compris. Parce que pour eux, ils se disaient que lorsque le frère Yeshua est venu premièrement, il devait déjà restaurer le royaume d'Israël. Parce que rappelons-nous bien que Yeshua est né sous le 4e empire. Donc l'empire romain. Donc Yeshua est né sous le règne de la Rome impériale, de la Rome antique. Donc vous rappelez qu'il y a eu l'empire babylonien, il y a eu l'empire médo-perse, ensuite l'empire grec et l'empire romain. Donc Yeshua est né sous la domination, le règne de l'empire romain. D'où le fait que aux Juifs, les Juifs, n'est-ce pas, devaient payer un tribut à César, un impôt à César. Parce que justement c'était la Rome qui régnait. Donc par cette promesse, les Juifs se sont dit, ah merci Seigneur, parce que le Machia, le Shiloh qui nous était promis, qui devait apporter la paix, qui devait être le libérateur, arrive. Parce qu'on a appris ici que le Machia devait venir, il devait délivrer, il devait sauver son peuple de ses péchés. Mais les Juifs s'étaient dit que c'était une délivrance physique. Alors que la première délivrance que le Machia est venu apporter aux Hébreux, aux Juifs, aux nations, c'était la délivrance sur le plan d'abord spirituel. Mais eux, ils n'ont pas compris cela. C'est pourquoi justement, ils se sont dit, mais c'est pas possible que le Shiloh qui a été prophétisé, que le grand roi qui nous a été prophétisé par les prophètes, soit cet homme qui est né, n'est-ce pas, devant nous, qui est né, n'est-ce pas, de la maison de Myriam et de Joseph. C'est pas possible. Il est un charpentier. Comment peut-il être le libérateur d'Israël? Ils n'avaient pas compris en ce temps qu'il s'agissait d'abord d'une délivrance spirituelle. Voici pourquoi justement ils l'ont amené à la croix. Voici pourquoi justement ils l'ont négligé et méprisé. Parce qu'ils n'avaient pas compris.
Que le Seigneur, par sa mort à la croix, il venait d'abord accomplir la délivrance sur le plan spirituel. Et après, devait s'en suivre la délivrance physique. Donc le Yeshua était le sauveur de l'humanité qui avait été promis. Mais les Juifs, les Hébreux, les Vivralites ne l'avaient pas compris. C'est pourquoi justement ils ont participé à sa mort. Parce qu'ils ont dit, rappelez-vous des pharisiens, des scribes et des souverains sacrificateurs qui ont dit non, cet enfant, ce petit garçon ne peut pas être le sauveur de l'humanité. Il ne peut pas être la promesse qui nous a été faite, n'est-ce pas, par Abraham, par Isaac et Jacob. Parce qu'ils ont dit, ils l'ont méprisé. Ils n'avaient pas compris que le Seigneur, premièrement, voulait nous délivrer de la puissance du péché pour mieux nous faire rentrer dans le règne physique. Et le règne physique, c'est le règne de 1000 ans que nous allons vivre dans peu de temps. On va prendre un autre passage dans Actes chapitre 1 à partir du verset 6. Actes chapitre 1, on lira à partir du verset 6. On est sur le règne de 1000 ans. Là, on voit d'abord l'introduction. C'est quoi le règne de 1000 ans et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Actes chapitre 1 à partir du verset 6. Et donc, fait-on réunir en effet l'interrogeur en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras à l'état initial le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je vais relire le verset 6. Donc, ici, ce passage nous relate la résurrection du Machia. Donc, il est ressuscité et pendant 40 jours, il était avec ses disciples. Et il leur a enseigné, il leur a parlé du royaume futur, du royaume à venir. Et le verset 6, donc il pose une question au Seigneur. Est-ce que c'est en ce temps-ci? Donc parce qu'ils avaient compris que justement le Seigneur devait restaurer le royaume d'Israël. Ils ont dit, est-ce que c'est maintenant là que tu vas restaurer à l'état initial le royaume d'Israël? Parce que justement, on va enlever le passage un instant. On va enlever le passage un instant parce que justement, les disciples du Seigneur avaient compris la prophétie biblique. Que le Shiloh devait restaurer Israël, le royaume d'Israël. Ils avaient compris cela. C'est pourquoi ils posent la question au Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Parce que justement, eux aussi soupiraient après la délivrance. Eux aussi soupiraient après le règne de 1000 ans. Donc ils étaient pressés de voir ce règne s'établir. Mais frères et sœurs, pourquoi le Seigneur a attendu? Parce qu'il voulait que toi et moi soyons sauvés. Parce qu'il voulait que toi et moi participent à ce règne de 1000 ans. Il a pensé au Gabon, il a pensé au Congo, au Cameroun, il a pensé à l'Afrique, à l'Europe, à l'Asie, à l'Amérique. Il a pensé aux nations païennes. Parce qu'en ce temps-là, les nations païennes n'étaient pas encore touchées par l'évangile. On était à peine, l'église n'était même pas encore née. Dans Acte 1, l'église n'est même pas encore née sur le plan physique. Bien sûr que spirituellement, elle était née à la croix. Donc le Seigneur a pensé à l'église. Il a pensé à toi et moi. Il a dit non. Ce n'est pas à vous de savoir, de connaître le temps que le maître, que le Père a établi de sa propre autorité. Le Seigneur lui-même avait établi un temps pour établir, pour restaurer à l'état initial le royaume d'Israël. Parce que nous ne l'oublions pas. Il a clairement dit à Abraham, toutes les nations de la terre devaient être bénies en toi. Et rappelez-vous les temps anciens. Le peuple d'Israël a subi tout ce qu'elle a subi à cause de la désobéissance. N'oubliez pas que le peuple le plus influent à l'époque était le peuple d'Israël. Ils ont conquis toutes les nations, ils ont annexé les peuples alentours. Israël a toujours été une nation puissante, mais à cause de la désobéissance, elle a vécu toutes les déportations. Donc le Seigneur va la restaurer dans son état initial. C'est ça le règne de 1000 ans. On va remettre le pareil, s'il vous plaît, sur l'écran. Acte 1 à partir du verset 6. Eux donc, c'est en renié en effet l'interrogeur en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras l'état initial au royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce passage encore nous confirme que Yeshua est bien sûr le Père éternel. Donc il dit aux disciples que ce n'est pas à vous de savoir le temps et le moment que le Père a établi pour, de sa propre autorité. Donc le règne de Dieu nous parle de la manifestation de l'autorité de Yeshua sur le plan physique.
C'est ça le règne de 1000 ans. De façon physique, Yeshua va régner. N'oubliez pas que lorsqu'il est venu la première fois, il n'a pas régné. Il est venu sur un ânesse, sur une ânesse autant pour moi, le petit de l'âne. Lorsqu'il est monté à Jérusalem, il est monté sur une ânesse, le dos d'une ânesse. Regardez le roi qui monte sur le dos d'une ânesse. Mais lorsqu'il reviendra, il reviendra sur un cheval blanc. Il viendra sur des champs de feu. Il va établir son règne. C'est le règne de 1000 ans que le Seigneur a réservé pour l'Église, que le Seigneur a réservé pour Israël, qu'il a réservé pour toutes les personnes qu'il accepte dans leur cœur et leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi nous devons craindre le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. C'est pourquoi nous devons nous éloigner de l'iniquité pour avoir part au règne de 1000 ans. Nous sommes encore en introduction. Mais on avance un tout petit peu. On va prendre un autre passage dans Actes, le chapitre 3. On va lire à partir du verset 19. Actes, le chapitre 3, on lira à partir du verset 19. Actes, le chapitre 3, on lira à partir du verset 19. Donc le thème de ce soir, c'est le règne de 1000 ans. Actes, chapitre 3, on lira à partir du verset 19. Le Seigneur va dire, « Repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Yeshua Mashiach. » Je veux qu'on s'arrête d'abord sur le verset 20. Il dit, on va relire ma partie du verset 19. C'est quand même fort ici. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc on apprend ici que pour prendre part au rang de 1000 ans, il faut expérimenter la repentance et la conversion. Pour que nos péchés soient effacés, pour qu'on ait part au rang de 1000 ans, on doit expérimenter la repentance et la conversion. Il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Donc c'est la présence du Seigneur en nous qui apporte le temps de rafraîchissement et le temps de restauration. Et le verset 20 qui nous intéresse, il dit, et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Yeshua. N'enlevons plus le passage, s'il vous plaît, les frères, un instant. On dit, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, Yeshua, Mashiach. Mais attends, frère, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans Actes 3. Précédemment, le Seigneur est mort et ressuscité. Il est déjà venu. Dans les évangiles, on a vu que le Seigneur est venu, qu'il a marché 33 ans sur la terre. Il est mort, il est allé à la croix. Dans Actes 1, on voit qu'il est ressuscité. Il a vécu 40 jours avec ses disciples. Et on a vu que dans Actes 1, à partir du verset 8 là-bas, qu'il est monté au ciel. Mais on apprend quoi ici au verset 3, verset 21? On apprend que le Seigneur Yeshua va revenir à nouveau. Donc on dit jusqu'à ce qu'il vous envoie celui qui a été annoncé précédemment, à savoir Yeshua Mashiach. Donc on apprend que Yeshua va revenir une fois de plus. Mais ce n'est pas comme la première fois. La première fois, il est venu comme le Shiloh, le pacificateur. Il est venu comme étant le repos. Mais là, il va revenir comme étant le roi, comme étant le lion. Remettons le passage, frère, s'il vous plaît. La parole du Seigneur nous encourage. Il dit, et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Yeshua. Verset 21, que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que le Seigneur est monté au ciel, qu'il allait nous préparer une place et qu'il va revenir. N'est-ce pas? Mais si on ne sait pas ce qui nous intéresse, on dit que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Elohim a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes de tout âge. On peut enlever le passage, s'il vous plaît. Ici, on nous dit que le ciel a reçu le Seigneur jusqu'à ce que le rétablissement de toutes choses soit accompli. Le rétablissement de toutes choses nous parle de quoi? Le rétablissement de toutes choses nous parle de la restauration du règne d'Israël. Premièrement, là c'est le premier pont du rétablissement de toutes choses. C'est le rétablissement du règne d'Israël. Parce que rappelons-nous, frères,
que si le peuple d'Israël n'avait pas désobéi, n'avait pas autant rejeté le Seigneur, c'est sûr qu'on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Parce que lorsqu'il appelle ce peuple avec Abraham, c'était pour que ce peuple vive en harmonie avec lui et que par ce peuple, les nations, n'est-ce pas, aient la notion du Seigneur Yeshua. Que par ce peuple, n'est-ce pas, les nations de la terre soient bénies. Quelque part, on est là où on est aujourd'hui parce que le peuple d'Israël a échoué. Donc, parce que le Seigneur avait choisi ce peuple, il va le rétablir totalement. Donc, tous ces passages, on les prend pour nous amener à comprendre qu'est-ce que c'est que le règne de 1000 ans. Alléluia. On va prendre aussi un autre passage encore dans Matthieu 5. On va beaucoup lire parce que c'est la parole que nous annonçons, ce n'est pas notre évangile. Matthieu chapitre 5, on va lire à partir du verset 5. On est sur le règne de 1000 ans. Matthieu 5, verset 5. Donc il dit, bénis sont ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. On peut enlever le passage. Donc on dit, bénis ceux qui sont doux, car ils vont hériter la terre. Quelle terre allons-nous hériter? C'est la terre dans laquelle nous vivons actuellement. Donc le Seigneur nous apprend que les doux, que les hommes de cœur, que les parents qui ont accepté Yeshua vont hériter la terre. Il ne s'agit pas d'une autre terre. Il s'agit de cette terre-là. Parce que durant 1000 ans, nous aurons cette terre en héritage. Nous allons régner sur cette terre. On va évoluer, n'est-ce pas, dans l'enseignement. Et on va voir comment le règne de 1000 ans va se dérouler, n'est-ce pas? On va prendre quelques passages comme ça pour expliciter la chose. Donc on va prendre Luc 12 d'abord à partir du verset 32. Luc 12, on va lire à partir du verset 32. On est dans Luc 12, on va lire à partir du verset 32. Luc 12, le verset 32. Donc il fit, le Seigneur dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On peut enlever le passage. De quel royaume s'agit-il? Il s'agit du règne de 1000 ans. Le petit troupeau, il s'agit d'abord, c'est les disciples, c'est les juifs. Il dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a choisi de vous donner le royaume. Donc le Seigneur a donné le royaume à cette nation-là, à la nation israélite. Et avec elle, nous régnerons durant 1000 ans. On va rentrer de plein pied dans la chose. Comment le règne de 1000 ans va-t-il s'établir? On va prendre un passage dans Isaïe 66. Isaïe 65, autant pour moi, on va lire à partir du verset 18. Isaïe 65, on va lire à partir du verset 18. Isaïe 65, on va lire à partir du verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car voici, je vais créer Jérusalem pour la joie et son peuple pour l'allégresse. Donc on voit que Israël va être créé à nouveau pour la joie et pour l'allégresse, parce qu'actuellement, ce n'est pas la joie, ce n'est pas l'allégresse. Verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des clameurs. Donc la première chose qu'on doit retenir ici lors du règne de 1000 ans, c'est qu'on entendra qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de bruit. Donc dans le règne de 1000 ans, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus de clameurs, il n'y aura pas de problème. Ce sera la paix totale. Verset 20. Il n'y aura plus désormais ni nourrissons, ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Donc on apprend que le démon de la mort sera certes là, mais il n'aura plus la même influence qu'il a actuellement. On dit qu'il n'y aura plus désormais ni nourrissons, ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Donc on apprend ici que durant le règne de 1000 ans, les gens vivront pleinement le temps qui leur sera alloué. On va le voir tout à l'heure, hein. En effet, un enfant qui mourra à 100 ans sera jeune, et un enfant de 100 ans qui pêche sera maudit. Donc on apprend ici que quand quelqu'un mourra à 100 ans, durant le règne de 1000 ans, on considérera qu'il sera mort très jeune. Qu'est-ce que ce passage nous amène à comprendre? On peut avoir levé le passage un instant, s'il vous plaît. Ce passage nous amène à comprendre que la mort sera certes là, mais elle aura une très très faible influence. Parce que durant le règne de 1000 ans, il y aura qui concrètement? Durant le règne de 1000 ans, il y aura l'église
qui aura revêtu le corps incorruptible. Donc l'Église ne connaîtra plus la mort. Deuxièmement, durant de 1000 ans, il y aura qui? Il y aura tous les croyants de l'ancienne alliance qui auront, n'est-ce pas, expérimenté la deuxième phase de la première résurrection. Eux aussi, ils n'expérimenteront plus la mort. Troisièmement, il y aura qui durant le règne de 1000 ans? Il y aura aussi toutes les personnes issues de la grande tribulation, donc les personnes qui ont se converti durant la grande tribulation, qui seront vivantes. Donc elles n'auront pas de corps glorieux parce qu'elles n'auront pas vécu la résurrection, mais elles auront de corps changé. Donc elles n'auront plus de corps soumis au péché, de corps soumis à la vanité. Quatrièmement, il y aura encore qui durant la grande tribulation? Il y aura toutes les nations païennes. Les nations païennes seront bel et bien là durant le règne de 1000 ans pour moi. Donc on a vu que durant la bataille d'Armageddon, il y a une catégorie de personnes qui iront, fait pour nous tuer. Mais toutes les personnes n'iront pas à la bataille d'Armageddon. Donc durant le règne de 1000 ans, il y aura des femmes, il y aura des enfants, il y aura des nations païennes qui seront là avec nous durant le règne de 1000 ans. Mais eux, ils ne vont pas régner. C'est nous qui allons régner sur eux. Ils seront là, mais ils ne vont pas régner avec nous. Il faut bien le préciser, on va le dire tout à l'heure. Donc, il y aura qui durant le règne de 1000 ans? Il y aura l'Église. Premièrement, il y aura tous les croyants de l'ancienne alliance. Donc l'Église et les croyants de l'ancienne alliance auront des corps incorruptibles. Il y aura qui durant le règne de 1000 ans? Il y aura les Juifs qui vont se repentir quand le Seigneur va revenir physiquement. Ils aussi seront des corps changés. Mais ils n'auront pas de corps incorruptibles. Ils n'auront pas de corps glorieux comme l'Église qui a connu la résurrection. Ils seront changés aussi, parce qu'ils ne seront plus soumis au péché, à la poussière, à la vanité. Il y aura encore qui? Il y aura les nations païennes, comme on l'a déjà dit, et on le verra tout à l'heure. Donc voici les différentes catégories de personnes qui seront là durant le règne de 1000 ans. Il y aura aussi toutes les personnes qui se convertiront durant la grande tribulation, qui n'auront pas connu la résurrection parce qu'elles seront vivantes. Elles rentreront dans le règne de 1000 ans avec des corps changés, des corps qui ne seront pas soumis au péché, mais n'auront pas expérimenté la résurrection des morts. Donc, rappelons que toutes les personnes qui expérimentent la résurrection, c'est des personnes qui auront connu la mort. Donc, toutes celles qui n'auront pas connu la mort n'auront pas expérimenté la résurrection, mais expérimenteront le changement. Donc, leurs corps seront changés. Donc, je voulais apporter cette précision. On va remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Donc il n'y aura plus désormais ni nourrisson ni vierge qui n'accomplissent les jours. Donc on apprend que tous les vierges et les nourrissons accompliront leurs jours. En effet, un enfant qui mourra à 100 ans fera jeûne et un enfant de 100 ans qui pêche sera maudit. Pourquoi on dit qu'il y aura des personnes qui pêcheront? Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y aura des nations païennes. Donc il y aura des nations qui continueront quand même à pêcher. Mais je tiens encore à préciser que durant le règne de 1000 ans, le péché n'aura plus d'autorité comme actuellement. Parce que le Seigneur va purifier la terre, le Seigneur va nettoyer, va sanctifier la terre. Amen. Mais il y aura des inconvertis qui seront là, qui attendront le jugement dernier. Donc, fait inconverti, continuera à pécher, mais le péché n'aura plus le même impact qu'actuellement, parce qu'il sera le règne théocratique du Seigneur qui va être manifeste. Donc, c'est clairement écrit ici. Un enfant qui mourra à 100 ans sera jeune, et un enfant de 100 ans qui pêche sera maudit. Donc, on apprend qu'il y a des gens qui pêcheront, mais qui le péché durant le règne de mur n'aura pas le même impact, je veux bien le préciser. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Donc, on apprend ici que il y aura la justice durant le règne de mur. Ceux qui bâtiront leurs maisons les habiteront. C'est pas comme actuellement, il y a tellement d'injustices. Où les plus riches écrasent les plus pauvres. Dans le règne de 1000 ans, la justice sera rétablie. À César, ce qui sera à César, et à Elohim, ce qui sera à Elohim. Ils planteront des vignes, et ils en mangeront le fruit. Donc on apprend que tous ceux qui planteront des vignes mangeront le fruit de leur travail. Ce n'est pas comme aujourd'hui, comme on le voit. Le monde actuel, c'est l'injustice, c'est la méchanceté, c'est le mal, c'est le chaos. Il y a des gens qui se tuent à la tâche. N'est-ce pas pour travailler? Et d'un côté, on a des personnes qui ne font rien et qui bénéficient de cela. Donc, le monde actuel est régi par la corruption, par la compromission, par l'injustice, par le mal, par la méchanceté. On apprend que dans le règne de 1000 ans, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus d'injustice parce que le Seigneur Yeshua sera là. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, c'est clair.
Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, c'est clair. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jureront de l'œuvre de leurs mains. Donc on apprend que chacun jouira de l'œuvre de ses mains durant le règne de 1000 ans. Ça va être la justice. Ça va être la paix, la joie, l'amour. Verset 23. Ils ne travailleront plus en vain, comme actuellement, il y a des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à avoir leur salaire. Pendant 10 mois, des gens ne sont pas payés. Il n'y aura pas ça dans le règne de 1000 ans. Alléluia. Le règne de 1000 ans, c'est un règne magnifique. Et ils n'engendreront pas pour une fin soudaine. Car ils seront la postérité des bénis de Yahweh et leur descendance avec eux. Donc on apprend que, n'est-ce pas, il y aura durant le règne de 1000 ans, il y aura des gens qui feront encore des enfants, justement. Donc il y aura toujours des gens qui vont se multiplier. Mais rappelons bien, on peut enlever le passage un instant. Je veux bien préciser que l'Église aura des corps incorruptibles, des corps comme des anges. Les croyants de l'ancienne alliance auront des corps comme des anges, des corps incorruptibles, parce qu'ils verront expérimenter la résurrection. Ceux qui auront aussi des corps changés, incorruptibles aussi, ne seront plus soumis au péché. Mais je veux préciser qu'il y aura des nations païennes durant le règne de 1000 ans qui auront leur corps naturel. Eux là continueront à faire des enfants durant le règne de 1000 ans. On le verra le vendredi prochain que c'est eux là que, n'est-ce pas, c'est ces personnes que Satan viendra séduire lorsqu'il fera relâcher après les 1000 ans. Parce que durant le règne de 1000 ans, Satan sera lié. Donc je veux bien le préciser pour qu'on comprenne bien. On peut remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Verset 24. Il arrivera qu'avant qu'il n'appelle, je leur répondrai. Donc on aura des réponses immédiates. On ne fera plus de demandes de Seigneur qui attendront un jour, deux jours. Dès qu'on va appeler le Seigneur, il sera là présent parce qu'il sera avec nous. Il parlera encore que je les aurai déjà entendus. Verset 25. Le loup et l'agneau pêcheront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et la poussière sera la nourriture du serpent. On ne fera plus de mal. N'est-ce pas? On apprend que le mal, il n'y aura plus de mal. Voilà, sur le plan radical. Mais il y a des gens qui continueront quand même à pécher parce qu'ils auront la semence du mal toujours en eux. Donc on ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, dit Yahweh. Donc on peut enlever le passé. Donc on apprend que durant le règne de 1000 ans, la justice va être restaurée, la paix va être restaurée, l'harmonie, l'unité. Les gens qui construiront des maisons habiteront ces maisons. Les gens qui planteront leurs vignes auront le fruit de leur travail. Et on apprend que le mal va disparaître. On apprend que les gens, n'est-ce pas, que quelqu'un qui mourra à 100 ans, n'est-ce pas, sera considéré comme étant jeune. Parce que la mort n'aura plus la même influence qu'elle a actuellement. Et je tiens bien à préciser que durant le règne de 1000 ans, les personnes qui connaîtront la mort, ce sera uniquement les nations païennes qui seront là. Parce que justement, elles connaîtront la résurrection avant le jugement dernier. Amen. Donc, les peuples qui connaîtront la mort durant le règne de 1000 ans, ce sera uniquement que les nations païennes. Plus aucun chrétien, plus aucun disciple du Seigneur ne sera frappé par la mort parce que la mort aura disparu pour les disciples du Seigneur Yeshua. Parce qu'on aura déjà expérimenté toutes les phases de la résurrection des morts. Donc, il y aura une deuxième résurrection des morts, ce sera la résurrection des impies. C'est pourquoi durant le règne de 1000 ans, les inconvertis pourront connaître la mort, mais elle sera très faible, la mort durant le règne de 1000 ans. Donc je prends le temps de bien préciser pour qu'on comprenne. La mort aura disparu. Mais il y aura quelques inconvertis qui pourront expérimenter la mort comme on l'a vu là, n'est-ce pas? Parce que eux, ils attendront la deuxième résurrection, qui est la résurrection de tous les impies. Donc voilà un peu comment se déroulera le règne de 1000 ans. Il y aura la paix, la joie, l'harmonie, l'unité. On va encore prendre un autre passage dans Luc 19. Luc 19, on va lire à partir du verset 12. Donc on est sur le règne de 1000 ans. Luc 19 à partir du 12. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un royaume à venir. Donc il dit, un homme noble s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un royaume à venir. Donc, le royaume qui est à venir, c'est d'abord le règne de 1000 ans. Amen. Verset 13. Et ayant appelé 10 de ses esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit, «
continuer les affaires jusqu'à ce que je vienne. Comme le Seigneur qui est venu, qui est mort à la croix, qui est monté au ciel, qui nous a laissé, nous, ses esclaves, nous, ses serviteurs, avec des dons de grâce pour qu'on les fasse, pour qu'on les fasse, on les fructifie. Voilà. Verset 14. Or, ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Verset 15. Et il arriva donc, après qu'il fut de retour, donc lorsqu'il va revenir physiquement, et après avoir reçu le royaume, donc lorsqu'il est monté, il a reçu le règne, la domination par le Père, qu'il fit appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir ce que chacun avait gagné en affaires. Donc on apprend que le Seigneur va revenir, il nous demandera des comptes par rapport aux dons, aux grâces, aux talents qu'on aura reçus. Verset 16. Et le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 10 autres mines. » Et il lui dit, « C'est bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois autorité sur 10 villes. » Donc je prends ce passage pour simplement confirmer. On peut enlever le passage un instant, s'il vous plaît. Donc je pensais pas pour confirmer que durant le règne de mille ans, nous aurons le règne et la gouvernance sur les nations. Donc on voit ici qu'il y a cette parabole, nous le relate clairement. Le Seigneur nous a laissé avec des dons, des grâces et des talents. Et en fonction du travail qu'on fait pour lui, on aura la gouvernance et la gestion des villes. C'est pas quelque chose qu'on dit juste en haut, la parole le confirme. Donc on voit ce serviteur ici qui a reçu 10 mines, qui en a produit 10 villes. Le Seigneur lui dit clairement, n'est-ce pas, tu auras la gouvernance de 10 villes. La gestion de 10 villes. Donc, durant le règne de 1000 ans, nous serons des présidents, nous serons des rois, nous serons des maires, des sénateurs, de tout ce que vous voulez. Nous allons régner sur la terre. Nous aurons des pays à gérer, des villes. Voilà, ce sera en fonction du travail qu'on aura accompli pour le Seigneur. Mais durant le règne de 1000 ans, on sera tous occupés à faire quelque chose dans ce royaume. On va remettre le passage, s'il vous plaît. On va remettre le passage de Luc, verset 18. Et le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il dit aussi à celui-ci, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée enveloppée. Bon, cette partie nous intéresse parce que le verset 19. Il dit aussi à celui-ci, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc on peut enlever le passage, on apprend que en fonction du travail qu'on fait pour le Seigneur, des villes nous seront données pour qu'on les gère, pour qu'on les gouverne. Donc les 12 apôtres de l'agneau, eux seront à Jérusalem, à Jérusalem avec le Seigneur qui vont régner. Donc on peut le voir dans Luc 22, on finit bientôt, on peut le voir dans Luc 22. Luc 22, on va lire à partir du verset 28. Donc les 12 apôtres de l'agneau auront pour siège Jérusalem. Là, il y aura le trône du Seigneur. Luc 22, on lira à partir du verset 28. Et moi, vous êtes restés avec moi d'une façon permanente dans mes tentations. Et moi, je vous fais un testament pour le royaume, comme mon Père m'a fait un testament. Verset 30, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. On peut enlever le passage. Donc la parole est claire. On apprend que les 12 disciples, les 12 apôtres de l'agneau seront assis sur 12 trônes et vont régner avec le Seigneur au niveau de Jérusalem. On apprend qu'ils seront assis à sa table. Mais nous, les nations, les chrétiens issus des nations païennes, nous régnerons, nous continuons à régner sur les nations païennes. Donc voilà un peu comment se déroulera le règne de 1000 ans. On va prendre un autre passage dans Zacharie 14. Zacharie 14, on va lire à partir du verset 16, pour voir que chaque année, une fois par année, on ira tous adorer à Jérusalem. Zacharie 14, on va lire à partir du verset 16. Donc on parle du règne de 1000 ans. Il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront en foule d'année en année pour adorer le roi. Yahweh Sabaoth et pour célébrer la fête du tabernacle. Donc on apprend que durant le règne de 1000 ans, n'est-ce pas, toutes les nations chrétiennes et même les nations païennes iront chaque année adorer le roi à Jérusalem. Donc on va remettre le passage, s'il vous plaît, les frères. Il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. Donc on apprend que les nations païennes qui vont aller attaquer Jérusalem pour la bataille d'Armageddon, toutes les nations
de ces nations, il y aura des personnes qui resteront, qui n'iront pas pour la bataille d'Armageddon. On apprend que ces personnes monteront avec l'église, avec tous les convertis, monteront en foule d'année en année pour adorer le roi à Jérusalem. N'est-ce pas? Lors de la fête des tabernacles. Donc on apprend qu'une fois par année, durant le règne de 1000 ans, toutes les nations de la terre iront à Jérusalem adorer le Mashiach. Verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi Yahweh Sabaoth, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc on apprend qu'il y aura des nations païennes, il y aura des inconvertis qui refuseront d'aller adorer le roi à Jérusalem. Le Seigneur ne va pas déverser sur eux la pluie, qui est l'image de la bénédiction. Donc ici, il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi Yahweh Sabaoth, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc les nations inconverties refuseront parfois d'aller adorer le roi à Jérusalem. Le Seigneur ne va pas déverser sur eux la pluie. Verset 18, s'il vous plaît. Si la famille d'Égypte, voilà, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont Yahweh frappera les nations qui ne monteront pas autant pour moi pour célébrer la fête des tabernacles. On va bon lever le passage. Donc on apprend que durant le règne de 1000 ans, il y a des nations qui refuseront, n'est-ce pas, des nations païennes. J'ai dit bien des nations païennes. Il y aura des inconvertis durant le règne de 1000 ans. Et parmi ces inconvertis, il y aura des nations païennes qui refuseront. On a parlé, par exemple, ici de l'Égypte. Il y aura des nations qui refuseront d'aller adorer le roi à Jérusalem. Et on apprend que le Seigneur va juger et frapper ces nations qui ne voudront pas monter à Jérusalem pour la fête des tabernacles. On va mettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Verset 20, verset 19. Ce sera la peine du péché de l'Égypte et du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc on voit qu'il y aura des nations qui continueront à pécher. Voilà, le péché n'aura plus le même impact, mais le péché sera toujours là. Voilà. Et ces nations refuseront d'aller adorer le roi à Jérusalem, ce qu'on apprend, et le Seigneur va juger ces nations. Verset 20. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à Yahweh. Et les chaudières dans la maison de Yahweh seront comme les coupes devant l'autel. Verset 21. Toute chaudière qui fera à Jérusalem et dans Yehuda sera consacrée à Yahweh Sabaoth. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahweh Sabaoth en ce jour-là. Donc ici, on peut enlever le passage. On donne quelques descriptions supplémentaires du règne de 1000 ans. On apprend que toutes les nations iront adorer à Jérusalem. On apprend qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Parce que le Seigneur va restaurer, va rétablir la justice. Donc le Seigneur a dit, heureux les hommes quand ils retournent à la terre, c'est cette terre qu'on va hériter. Mais pas cette terre aussi corrompue, non. Parce que le Seigneur, ce qui reviendra avant d'établir le règne de 1000 ans, il va purifier la terre. Il va nettoyer la terre. Comme c'est écrit dans Zacharie 13, là-bas, il va purifier la terre. Zacharie 13, je crois, Zacharie 10 aussi nous en parle. Donc, il va purifier la terre, il va nettoyer la terre de toutes les souillures, de toutes les saletés. Et on régnera sur la terre. Et oui, frère, pour vous qui vous dites que la solution viendra d'un président, d'un roi, non. La solution véritable viendra du Seigneur lorsqu'il viendra rétablir le règne de 1000 ans. Et si tu te bats pour te sanctifier, pour craindre le Seigneur, tu auras certainement la gestion du Gabon. Tu auras peut-être la gestion des États-Unis, de la France, de la Chine. Et quand tu seras président, quand tu seras roi ou gouverneur, tu pourras pleinement travailler pour le développement de ton pays. Donc le règne de 1000 ans est un règne qui arrive, qu'on vivra et qu'on connaîtra. Donc on va lire un dernier passage pour terminer dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, on va lire à partir du verset 10, le dernier passage qu'on va prendre pour terminer. Donc c'est pourquoi ne nous attachons pas à cette terre, n'attachons pas à la poussière, à la fumée, à la vanité, n'attendons pas la solution de nos gouvernants, attendons la solution du Seigneur, parce que c'est lorsqu'il reviendra qu'il établira la justice, la paix sur la terre. Et c'est nous qui serons les gouvernants de la terre. Ésaïe 66, on va lire à partir du verset 10 pour terminer. Ésaïe 66, on va lire à partir du verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, vous tous qui menez deuil sur elle, réjouissez-vous avec elle d'une grande joie.
afin que vous soyez allaités et rassasiés par le sein de ses consolations, afin que vous suciez le lait et que vous délectiez de la plénitude de sa gloire. Donc on apprend, ici, on va regarder le passage sur l'écran. Donc il dit afin que vous soyez allaités et rassasiés. Donc on apprend que durant le règne de 1000 ans, on sera allaité et rassasié par la consolation que Israël connaîtra. Donc afin que vous suciez le lait. Donc à nouveau, justement, Canaan, n'est-ce pas, cet endroit qui était le lait, on parle de Canaan, n'est-ce pas, qui était le lait des nations, qui était ce lieu de bénédiction, va être rétabli et restauré. Et nous, les nations, bénéficiera de la bénédiction d'Israël. C'est pourquoi il dit, afin que vous soyez allaités et rassasiés par le sein de ses consolations. Donc, durant le règne de 1000 ans, Israël va à nouveau nourrir les nations, afin que vous suciez le lait et que vous vous délectiez de la plénitude de sa gloire. Donc on jouira aussi de la gloire qui accompagnera Israël durant le règne de 1000 ans. Verset 12. Car ainsi parle Yahweh, voici je ferai couler vers elle la paix comme un fleuve. Donc il y aura la paix à Jérusalem. Et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les côtés et caressés sur les genoux. Donc de la paix, de la bénédiction qu'Israël vit, connaîtra les nations, n'est-ce pas, bénéficieront de cela. Verset 13. Je vous consolerai pour vous apaiser, comme un homme que sa mère caresse pour l'apaiser. Vous serez consolé dans Jérusalem. Verset 14. Vous le verrez et votre cœur se réjouira, et vos os germeront comme l'herbe. Yahweh fera connaître sa force à ses serviteurs, mais il sera indigné contre ses ennemis. Donc voilà, frères et sœurs, ce qu'on pouvait voir ensemble concernant le règne de 1000 ans. C'est un règne qu'on vivra sur terre. Le Seigneur sera là avec nous. Son trône sera à Jérusalem. Les douze apôtres de l'agneau seront sur 12 trônes avec lui, vont régner. Et nous, les nations païennes, les chrétiens issus des nations païennes, issus des nations, on ira chaque année adorer le roi à Jérusalem et on aura la gouvernance et la gestion des différents pays de la terre. La terre sera purifiée. Nous, les chrétiens, les enfants du Seigneur, l'Église, les croyants d'ancienne alliance, on ne connaîtra plus la mort. Seules les nations païennes qui pourront expérimenter encore la mort. Mais même là, comme je l'ai dit tantôt, la mort aura mais fortement, fortement disparu. Et comme on l'a vu, ceux qui mourront à 100 ans, voilà, à cause de leur péché, seront considérés comme étant morts jeunes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, bien sûr. Dans le règne de 1000 ans, tous ceux qui pécheront expérimenteront toujours la mort physique et la mort spirituelle, la seconde mort. Mais tous les enfants du Seigneur n'expérimentant plus jamais la mort, n'expérimentant plus la maladie, la faim, les difficultés, parce qu'on sera dans la gloire avec le Seigneur Yeshua. Nous avons autant d'espérance, n'est-ce pas? Ne basons pas notre foi, notre espérance sur la terre actuelle, sur la fumée, sur la vanité. Attachons-nous au Seigneur car il y a des belles promesses qui nous attendent. On verra pour terminer la semaine prochaine la nouvelle Jérusalem. On verra le jugement dernier, mais on verra qu'il y a des belles, belles choses qui nous attendent. Commençons déjà par le règne de 1000 ans sur la terre. Toi qui aimes ton pays, qui aimes ta nation, peut-être que tu auras la gouvernance de ton pays, de ta nation. Et alors là, tu pourras faire des belles, belles choses que nos gouvernants n'arrivent pas à faire actuellement. Il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs parce que le Seigneur Yeshua sera là. Il va restaurer la nation d'Israël. Elle va briller des 1000 feux, des 1000 éclats. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait partager, voir ensemble aujourd'hui par la grâce du Seigneur. C'était le thème sur le règne de 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde à vendredi prochain par la grâce du Seigneur. Et juste rappeler que ce dimanche, par la grâce du Seigneur, à partir de 10h, nous aurons notre émission sur les temps de louange et d'adoration avec le Seigneur. Donc, câblez-vous, donnez l'information autour de vous. Et pour ceux qui ont des antennes locales, vous pouvez vous connecter sur, vous pouvez faire de la recherche manuelle de la chaîne de télévision. Si les frères peuvent afficher sur l'écran, s'il vous plaît, en 246, le numéro de la chaîne en local. On peut la trouver sur quel canal, s'il vous plaît. En UHF, je crois, si les frères peuvent afficher. On veut aussi profiter davantage de l'information. Donc, à vous qui nous suivez déjà, passez l'information à vos voisins, passez l'information à vos parents autour de vous qu'il y a une nouvelle chaîne Support Gentil qui émet gratuitement, n'est-ce pas, pour l'évangile, pour la gloire du Seigneur. Donc, en local, on peut trouver la chaîne sur quel canal, s'il vous plaît. Voilà, en 695.25. Donc, de façon manuelle, vous faites les recherches. 695.25.
canal 49. Donc 695.25 MHz, canal 49. Vous faites la charge de façon manuelle et vous aurez Réveil TV gratuitement. Et d'ici peu, elle va à nouveau diffuser sur Satcon. On a eu quelques difficultés. On va à nouveau diffuser sur Satcon Port Gentil. Donc, passez l'information autour de vous. C'est une chaîne que le Seigneur permet gratuitement pour que l'évangile soit annoncé. Nous vous aimons, nous vous portons beaucoup. Bonne soirée chez vous. Dans la paix.